Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Storgame. Dans cette vidéo, je présente le jeu Castle Clash, l'ère des légendes. Ici, vous avez la première modélisation d'une base toute simple pour essayer de passer des bagues telles que la bague B que je passe actuellement avec ces quelques héros présents sur ma base. Donc j'en ai 5 au total: Druide, Pixie, Champion et Orcsban. Donc l'objectif est de réaliser. Et de finir ce défi et de tenter de gagner des fragments qui vous serviront à améliorer les compétences de vos héros. Dans un prochain tutoriel, je vous expliquerai comment réaliser ce module, enfin réaliser cette fonction améliorer votre héros, les compétences surtout. Donc ici, on part dans une base toute simple, avec quelques éléments disposés aux quatre coins de la base. Pour l'instant, les murs ne sont pas présents. Vous pouvez en mettre, mais pour l'instant, je garde les ressources de pièces d'or pour améliorer les bases de mes héros, afin d'augmenter leurs compétences aussi. Donc je répète, l'objectif est de passer 5 vagues de la série B. Donc nous sommes à la série 4, à la série B4. Donc il reste une dernière vague à passer pour tenter de gagner des fragments. Dans le prochain tutoriel sur le jeu de Castle Clash, l'ère des légendes, je vais tenter de faire un tirage grâce à des gemmes obtenues gratuitement dans le jeu pour essayer de gagner des héros légendaires, les héros légendaires qui sont présents ici, ont tous été gagnés de façon gratuite, grâce à des tirages de gemmes obtenu gratuitement grâce au jeu. Nous allons finir la dernière série B5 qui normalement devrait passer car il me reste encore mes héros. Il me reste encore 3. Voilà, donc nous avons réussi la vague B et nous avons gagné 15 fragments avec des points d'expérience qui servent à augmenter le level de vos héros. Voilà, dans le prochain tutoriel, je parlerai de tirage de gemmes grâce à des gemmes obtenues gratuitement dans le jeu. Et nous allons faire des tirages de gemmes pour essayer de gagner des héros légendaires. À très bientôt pour d'autres tutoriels sur Storgame.